aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste ce mercredi 29 novembre 2023, Cyril Hanouna recevait autour de la table de l'émission une invitée pas comme les autres. En effet, l'animateur de C8 a accueilli la sexologue Thérèse Argot. L'occasion pour les chroniqueurs de poser quelques questions personnelles à cette professionnelle. Et oui, il n'est pas rare que les chroniqueurs lâchent, entre deux débats, quelques confidences sur leur vie privée, et notamment sentimentale. Ainsi, Gilles Verdet n'a pas manqué de se confier à la sexologue. « Ma compagne a souvent besoin d'espace de liberté. Cela fait quelques années que le célèbre chroniqueur est en couple avec Fatou. » Une histoire d'amour sur laquelle il s'est confié à plus d'une reprise dans Touche pas à mon poste. Le couple rencontrerait-il des difficultés actuellement? Face à Thérèse Argot, le journaliste a lâché une confidence qui a choqué ses petits camarades. Ma compagne a souvent besoin d'espace de liberté, a-t-il lâché dans un premier temps, provoquant un fou rire sur le plateau de l'émission. Mais Gilles Verdet ne s'est pas laissé intimider. Il a ainsi expliqué, évidemment, je lui accorde bien volontiers. Néanmoins, souvent, elle me dit tiens, j'irai bien au Sénégal. Je dis moi aussi. Elle me dit non, toute seule. Ou je vais dîner avec des amis. Je lui dis je peux venir aussi? Non, non, non. Comme ces espaces se répètent, dois-je m'inquiéter Thérèse? Mais avant que la sexologue ne donne son avis, Cyril Hanouna balance, la traduction, ma meuf n'est pas là 5 jours sur 7. J'ai trouvé encore la semaine dernière un hashtag qui disait j'ai envie de toi, qui ne venait pas de moi. Dois-je m'inquiéter? A-t-elle un cum? Gilles Verdet et sa compagne Fatou @draoui, je m'inquiéterai loin de se vexer, Gilles Verdet a lui aussi ri aux taquineries de l'animateur. Un sourire qui va s'effacer après l'analyse de la sexologue. On s'inquiète un petit peu, a-t-elle lâché. Une remarque que ne semble pas comprendre le chroniqueur. Ben, tu le sais quand même, l'agent Michel Maire, un brin agacé. Tu vas t'inquiéter à quel moment? À un moment, c'est vrai, ça devient ridicule, lâche quant à lui Cyril Hanouna, sur le ton de la plaisanterie. Thérèse Argot poursuit toutefois son analyse, on va quand même distinguer deux choses. On a besoin d'avoir une soirée avec ses copines, de temps en temps, très sain, on a besoin d'aller respirer pour revenir avec une belle énergie. Ok. Mais partir des vacances toute seule et que ça revienne souvent, ou partir plusieurs fois par semaine, moi, je m'inquiéterais. Ah oui, je m'inquiéterais. Gilles Verdet a-t-il réellement des raisons de s'inquiéter? Et vous, qu'en pensez-vous ?